Sassou Nguesso aux abois et à la recherche d'une légitimité internationale a créé un mensonge d'État, un voyage aux États-Unis où il devait rencontrer le président élu Donald Trump. Une visite imaginaire, les créanciers du Congo ont saisi l'occasion pour bloquer l'avion présidentiel. Obligé de fuir par le Cameroun pour atterrir dans son village natal à Oyo. Tous ses conseillers sont injoignables, Sassou Nguesso Monsieur 8% est revenu sans photo, ni vidéo avec Donald Trump. Le peuple congolais est KO. En ce président-là, ce président KO, il faut qu'il parte et il partira. Ce président-là, comme ça, voilà. Ce président, il faut qu'il parte. Et il partira, comment? Bien, ce président-là. On y va. Ce président, il faut qu'il parte. Et il partira. Fire! Président, il faut qu'il parte et il partira. Bien, ce président-là. Comment dire? Ce président, il faut qu'il parte et il partira. Bien. Si le pape Benoît XVI à qui on rend un hommage vibrant, malgré la position qu'il occupe dans l'église, a pu se retirer, ça veut dire que nos chauves-souris au pouvoir doivent savoir quitter le pouvoir. Ils ont servi le pays, c'est vrai. Ils se sont aussi beaucoup servis du pays. Ils ont aussi beaucoup pris dans les caisses du pays. Maintenant, donner l'opportunité à une nouvelle génération de pouvoir assurer la continuité. Ceux qui l'aiment, ceux qui ne l'aiment pas, le plus important c'est le pays. Alors c'est les charognards qui sont en train de travailler pour dire qu'il faut modifier l'article 37. Il va falloir que la jeunesse se réveille. Sinon on va ouvrir les yeux, mais ce sera trop tard. Alors vous êtes prêts? Ce président, plus fort. Ce président, il faut qu'il passe et il partira. Ce président, tout le monde. Ce président, il faut qu'il parte et il partira. Ce président, il faut qu'il parte et il partira. Ce président, il faut qu'il parte et il partira. Ce président, il faut qu'il parte et il partira.
président. Ce président, il faut qu'il parte et il partira. Condé, ce président. Trahison. Revoir les gens qui étaient avec nous hier, qui mangeaient avec nous à ma table, parce que moi, ma table était ouverte à tous ses collaborateurs. Ils venaient à la maison, même ses conseillers. Très, très, très dur. Très dur et surtout le soir. C'est quelle est cette vie de politique, c'est ça? Je dis, si c'est ça la politique, Denis, c'est pas la peine. Tu as fait ton temps, on est resté là. J'ai dit, ça suffit, on va se reposer. On va leur laisser la politique. C'est trop dur à supporter. Je lui ai dit, mais il vaut mieux arrêter. Et je lui ai effectivement demandé qu'on arrête. Alors en ce moment-là, il me dit, bon, tu as peut-être raison, mais il vaut mieux sortir par la grande porte. On va y aller. Alors, ça va? J'ai retrouvé les vieilles photos. Là. Les vieilles, regarde. Mon initiation. Ah oui. Ah oui, regarde Marie Ngouabi. Ngouabi. Vieille photo. Ça, c'est visite à Cuba. Décoration par Fidel Castro pendant le banquet. Ils ont ramassé des photos, ça, avec Kadhafi. Et Bongo. Le président Bongo. Poutine, c'est encore plus récent. Là-bas. Avec le Chinois. Avec le Chinois. Ça, c'est à Pékin. Ça, c'est avec l'émir du Qatar. Et je vois le premier ministre d'Éthiopie. Hey, Ricky, something. Don't put the guy down.
Je ne vais pas donner la gomme à la gomme à
fait une place à la jeunesse, car on a besoin de travailler. Si on a étudié pendant toutes ces années, tout ça c'est pour vous succéder. Vous avez travaillé, vous avez travaillé pendant des années, pendant des années. Le temps est arrivé de laisser place à la jeunesse. Laissez, 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 laissez place à la jeunesse. Laissez, 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 laissez place à la jeunesse. Botica, 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 un jeune masala. Botica, 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 un jeune masala. Vite à la faute, hein. Sassou Guesso, aux abois et à la recherche d'une légitimité internationale, a créé un mensonge d'État, un voyage aux États-Unis où il devait rencontrer le président élu Donald Trump. Une visite imaginaire, les créanciers du Congo ont saisi l'occasion pour bloquer l'avion présidentiel. Obligé de fuir par le Cameroun pour atterrir dans son village natal à Oyo. Tous ses conseillers sont injoignables, Sassou Nguesso Monsieur 8% est revenu sans photo, ni vidéo avec Donald Trump. Le peuple congolais est KO.